Bon matin! J'espère que vous allez bien. On est mardi le 22 février. La routine est bien. La journée est bien enclenchée, je voulais dire. Mon chum et Lucas sont partis à l'école. Cassa a bien dormi. Je vous dis, ma tête a encore brillé. J'étais vraiment contente. Ben, elle a eu quelques réveils, puis elle criait, mais elle restait brillée, puis elle n'a pas bougé, là, elle n'a pas changé de place. Fait que, puis il n'y a pas eu beaucoup de réveils. Il n'y a pas eu beaucoup de vidéos d'enregistrées. Et là, un matin, elle décide, elle a tout pris, ses médicaments, elle a bien mangé, mais elle n'a pas encore changé de couche. Mais elle décide de monter en haut, dans notre lit. Puis qu'elle adore dans notre lit, il est 7h20. Là, je vais la changer de couche, puis moi, je vais me dépêcher d'aller prendre ma douche pendant qu'elle est en haut. Comme je suis à même étage, j'entends, ouais, je vais attendre plus à quelque chose. Oh, ma petite pouponne d'amour. Ouais. T'es fatiguée, Katia, même si t'as bien dormi, t'es fatiguée? Hein? Fatiguée, la fille? Ouais. Une grosse fatigue, il va falloir changer la couche. Ça, aujourd'hui, Sabrina, elle vient faire des heures. Ben, ça va être pour cuisiner des repas. Fait que ça va être sûrement plus cet après-midi. Belle fille, qu'elle va venir cuisiner genre des repas. Fait que c'est ça. Puis là, ben, aujourd'hui, je vais encore m'entraîner. Je vais mettre une vidéo en ligne. Fait que, en tout cas, vous allez me suivre dans cette journée, comme d'habitude. Katia est descendue, je l'ai habillée. Mais là, regardez comment elle adore, là. Mais regardez comment elle est mignonne, Clonie. Vous allez voir, là. Pauvre petite mère. Je vais essayer de vous montrer, là. Oh, regardez comment elle t'a marché. Là, il est 8h30. Il faudrait que je la transfère dans l'entrée, mettre son manteau. Elle est vraiment fatiguée ce matin. Ouais, puis elle faisait beaucoup de mieux que Clonie. Je sais pas si vous avez vu tantôt, je vous filmais, là. Ouais. On va-tu dans l'entrée, ma fille? On va s'habiller. On va aller s'habiller, mettre le manteau pour aller en auto. Viens-tu? Tu viens-tu? Viens. Viens avec maman, d'accord? Viens. Bon. J'ai réussi à l'emmener. Elle attend sagement son transport. Belle fille. Oui. Je t'aime. Bon, Katia, elle vient de partir. Le chauffeur me disait qu'elle s'est endormie dans l'auto hier. C'est la première fois qu'il voyait Katia qui s'endormait en char. Fait que, c'est ça. Là, je disais que ma tête est fatiguée aussi, là. Fait que, c'est ça. Spécial, ça s'est endormie. Là, je suis en questionnement si je serais pas mieux de m'entraîner finalement avant d'aller prendre ma douche. Je pense que c'est quasiment mieux. Hein. Je pense que ça, je vais en faire. Je vais m'entraîner, puis finalement, je vais prendre ma douche après. Ouais, je vais faire ça. Bon, je viens de m'entraîner. Je suis contente. Fait que là, je vais aller prendre ma douche. Mais ça, je voulais vous dire que je pense que je vous avais pas dit que Pam, finalement, il avait vraiment fait un offre hier. Puis là, les vendeurs, dans le fond de la maison, ils ont jusqu'à demain soir, 5h. Pour répondre à leur offre. C'est ça. Fait que peut-être qu'ils vont répondre avant, mais sinon, ça va être demain 5h, on va savoir si l'offre est acceptée. C'est excitant, c'est intriguant, c'est drôle. Puis là, je vais vous montrer. J'avais donné un orchidée à la fête à Pam l'année passée. Puis d'habitude, on ne réussit jamais à les garder. Puis cette année, Pam, elle va avoir une fleur pour moi dans pas long. Je vous montre, on est énervé parce que c'est un bizarre orchidée qu'on a, puis on ne réussit pas à les garder. Là, regardez ça, le beau bourgeon. Puis en plus, on dit qu'il va en avoir un autre qui est en train de se créer, là, un autre petit. Hey, c'est-tu le fun? C'est la première fois. En tout cas, j'espère qu'on va avoir fleuri, mais c'est bien parti. Puis après ça, c'est ça, hier, à la poste, on n'a toujours pas les feuilles de terre remplies pour ça. Puis la date limite, c'est aujourd'hui pour l'envoyer. Je sais pas jusqu'à quelle heure, là. Mais la date limite, c'est aujourd'hui pour l'envoyer si, mettons, on veut qu'elle ait une paye vendredi. Fait que si je l'ai pas vraiment pas à la poste aujourd'hui, ben, ça verra pas de paye avant 2 semaines encore. C'est ce que ça veut dire. Fait que c'est stressant, ça amène un stress, là. Pareil, ça fait déjà 2 semaines que j'ai été en contrôle ATS, là. Fait que.
C'est ça. C'est ça que je vais vous dire aussi. Fait que là, ben là, go dans la douche. Il est 10h moins quart. Prendre ma douche, préparer un petit peu. Puis après, ben, je vais regarder ce que je fais comme repas. Commencer les repas de dîner. Bon, ma douche est prise. J'ai lavé mes cheveux, mais j'ai rien mis dedans. Je les ai laissés vraiment naturellement, mais je les ai laissés sécher naturellement. Parce que j'aimerais ça ce soir. Ben, je sais pas si je serais du matin. Soit je prends encore toffée. Moi, je prends encore toffée, finalement. En tout cas. Ben là, je prépare le dîner. Dans le fond, je vais faire une soupe au brocoli. Une enveloppe comme ça. Puis, je vais faire des petits pains mayonnaise, oignon, fromage cheddar fondu. Ça va être pour accompagner la soupe. C'est vraiment bon ça. Fait que ça va être ça. Ça va être un petit dîner simple, mais ça va être ça pour ce midi. Bon, là, vous voyez, je prends des tranches de pain. Je les coupe en quatre. Je mets du beurre, mayonnaise. Là, j'ai coupé de l'oignon. Je mets de l'oignon partout, ces petits pains. Puis, un morceau de fromage. Puis, tu mets ça au four 350. Jusqu'à temps que le fromage vienne comme doré. C'est délicieux, là. C'est vraiment bon. Je suis en train de cuisiner un pâté chinois. Puis il nous restait du steak. On a mangé ça ce dimanche soir. Puis là, moi, je les graine. Puis c'est ça que je me sers comme viande. Ça fait vraiment un pâté chinois excellent, là, je vous le dis. Là. J'aimerais ça à hacher, dans le fond. Là, je vais le mettre là-dedans. Ça va faire un bon fond de viande. C'est bien plate. J'ai même pas de pain sans crème. Ça me surprend, en tout cas. Fait que là, je vais mettre une canne de soupe aux légumes. Avec du fromage en grève et des patates pilées par-dessus. Je vais m'arranger comme ça. Bon, je prends une petite marche pour aller à la poste. J'espérais qu'on ait les feuilles. On va voir, sinon c'est deadline, sinon il va être trop tard. Tellement déçu, rien encore. Fait que là, j'envoie un message à TS, ça n'a pas d'allure. Oh, je te dis. Là, Sabrina était juste à ma maison, la cuisine. Là, elle faisait le gâteau. Elle a fait des muffins. Après ça, elle m'aidait à faire la macaroni, en tout cas. On va avoir un peu de bouffe de fête. Fait que c'est ça. Sabrina, c'est ça, elle vient de partir, elle avait rendez-vous pour son dos. Je vais vous montrer ce qu'on a cuisiné, fait qu'on a fait quand même beaucoup de choses. Mais tu sais, c'est sûr que là, peu importe ce que on mangerait pour souper, ben tu sais, il manquerait quand même une salade, après je ferais une salade. Fait que j'allais vous montrer ça. En fond, c'est ça, des muffins aux bananes et aux chippets. Ça, c'est vraiment qui a fait ça. Là, j'ai pris une recette sur Internet. Puis, Sabrina, elle a fait aussi le gâteau avec le crémage au beurre. Ça, ce gâteau rapide, on aime tellement tout ça. C'est 15 minutes. Dans le fond, c'est rien qu'il cuit en 15 minutes. Puis, c'est un crémage au beurre. C'est tellement délicieux, là. Fait que je pense que Lucas va être content. Ensuite, on a fait un macaroni crème de champignons. Et, ben là, j'ai fait un genre de pâté chinois, mais pas avec de la maïs sans crème, là. J'ai mis de la soupe légumes. Fait que je sais pas ce que ça va donner. Fait que c'est ça. Il y a cette fête! C'est cool, hein? Bon, Lucas est revenu de l'école. Il est en train de prendre sa collation. Il va goûter au muffin que ça va faire. Puis, Katia est là aussi. Oui, ma belle fille. Est-ce que t'es sûre? Katia, t'as-tu une belle journée? Hein? On va regarder dans l'agenda. C'est quoi le fond d'amour? Ouais, c'est ça qu'on dit. Allô? Elle a dormi 30 minutes à son arrivée. Le reste de la journée a vraiment bien été. Elle a vraiment bien mangé ce midi. Yay! Yeah! Bravo, Katou! T'as bien mangé! C'est le fun! J'ai Camille. Il va avoir une dictée à signer. Hein? T'as-tu encore une nouvelle boîte? Oui. T'as encore une boîte de thé? Oui. Mais on en a trop, là. C'est qu'elle s'en devient la semaine passée. On a la belle dictée à Lucas signer. Oh! Lucky, tu t'étais ennuyé un petit peu de Katou aussi? Parce que Sabrina, elle l'avait, depuis deux nuits qu'elle l'avait, puis elle est venue le porter tantôt. Hein? J'ai vraiment passé beaucoup de temps sans Lucky, moi. Non, mais Lucky, j'aime pas ça, tu montres les coussins à Katia, par exemple. Non, ça, maman veut pas. Hein, c'est pas à Lucky, les coussins. Ouais, ça, le soulier, tu peux, ouais, ça, c'est à toi. Non! Non, Lucky, non. Il est comme. Regarde, ça, tu peux, ton soulier. Je pense qu'il va tout essayer. Ça, c'est à toi. Ouais. Ah, t'as-tu ça de mal? Non, t'as tout. Ah? Katou, tu flattes le chien? Tu le flattes? Oh, tu veux donner la main à Lucas, hein? Et ça, tu veux.
T'es une main froide, mon amour. Sinon, avec tout, c'est ennuyé, hein? Toi aussi, tu t'ennuies de Lucky, hein? Oui. Ouais. Je pense que je suis plus ennuyée de Lucky que Lucky s'ennuie de moi. Je suis pas sûre. Hein? Pas sûre. Il y avait la foule plus tôt tantôt. On aurait dit qu'il s'ennuyait de toi puis t'attendais au palier. Moi aussi, je t'ai dit plus tôt. Ouais. Il nous a suivi, hein? C'est pas grave. Allô? C'est à lui. T'as envie de passer au travers à lui. Non, Lucky. Non. Beau chien. Beau chien. Bonjour. Bonjour, c'est moi de souris, oui. Belle catou d'amour. Vous êtes tellement cute. Tellement. Que vous êtes beau. Vous êtes beau. Fait que c'est ça. Lucas, il y a une belle petite tête. Je suis contente encore cette semaine. Ça va bien, ça va bien. 4h50. On a déjà soupé. C'est-tu pas merveilleux? C'était bon le souper. C'était bon. On l'a tout passé au travers. C'était tellement bon. Il me restait des fèves cuites que j'ai fait chauffer au micro-ondes. Puis on a mangé ça avec ça. Puis la salade c'était bon aussi. Elle fait que je suis tellement contente. Là, il reste une portion. Ça va être pour le lunch à Katia demain. Puis, mais ça, Katia a la face rouge. Ouais, mais ça, t'as la face rouge, j'ai bébé. Oui. Tu me bouchais? Non? Fait que ça, Katia, ben, ça va être son lunch pour demain. C'est un petit peu de princesse. Bon, Sabrina est venue après son rendez-vous. Puis là, elle va s'occuper de Katou, puis Lucas, puis Lando. On va aller faire du skidoo. On va en profiter, parce qu'elle va nous appeler le prochain jour. Et on va faire une promenade de skidoo, moi puis moi, tchao! Ah oui, Yaberk! Parce que sinon, on ne pourra pas faire le ride en temps. On rembarque là. Hein? Correct. Je ne peux pas aller peinturer.